c'est quand même le courage, c'est quand même l'amour de la liberté poussé à son point extrême jusqu'à la mort. On s'est peu intéressé finalement à la réalité historique. Le mythe suffisait. C'est le peuple du secret, c'est la discrétion absolue. Donc ils ne laisseront quasiment aucune trace. Quand tu commences à lire les comptes rendus, ça ne te laisse pas indifférent. De ce que je lisais, je disais, mais attends, ça, moi ça me fait penser à tel coin, il faut que j'aille voir si ça correspond. L'histoire de nos Gramoun qui ont travaillé sur le volcan, qui ont travaillé à l'ONF. Ils ont vu des cavernes avec des eaux, des choses comme ça. Ils ont tous au moins une histoire à te raconter sur les marrons. On n'a pas vraiment cherché beaucoup. On n'en est encore qu'au balbutiement. Connaissent l'histoire vraie avec un grand H. Et ça, c'est encore une autre étape qu'il faut que la société accepte, c'est de passer à la réalité du marronnage. L'intérêt pour le passé réunionnais, il a toujours été là, en fait. Il attendait de pouvoir sortir au jour. Toutes les réponses, elles sont dans le sol, elles nous attendent. Tu peux faire 3 jours sans avoir rien trouvé. Bon, t'es content quand même, parce que les cadres, ils sont tellement beaux que... Tu viens jamais pour rien ici. Puis il y a le dépassement, il y a le fait d'être là et de te dire bah, t'es peut-être dans un endroit où il n'y a pas grand monde qui est déjà passé. Et puis quelquefois, bah, t'as la chance, t'arrives comme ça et puis tu vois un petit mur de pierre monter comme ça, agencer, et te faire purée, ça y est, on l'a trouvé.